Salut les animaux légendaires, aujourd'hui nous sommes ici à Hypnotix et on va vous procurer les 6 conseils comment bien choisir sa board. Tout d'abord, l'utilisation que vous allez pouvoir en faire. Est-ce que c'est une board bateau? Est-ce que c'est une board câble? Sur celle-ci, l'O'Brien Indy, c'est une board pure câble parce qu'en fait, vous n'aurez pas de dérive. Si vous avez 2 trous ici, c'est pour pouvoir fixer une dérive et donc pour pouvoir l'utiliser autant en bateau qu'en câble. Certaines boards bateaux ont des formes déjà prémoulées et auquel cas vous aurez beaucoup de mal à les utiliser en câble. Donc je vous mets en garde, si vous voulez utiliser votre board en câble et en bateau, prenez des boards comme celle-ci avec des perforations sur la board pour pouvoir rajouter les dérives. Ensuite, deuxième point important, la taille de la board. La taille de la board va se choisir en fonction du rider, forcément en fonction de son poids et aussi en fonction de sa taille. Tout simplement, celle-ci, 140 cm, je fais 1m77 et pour moi c'est le meilleur compromis. J'ai déjà essayé de rider des 136, 138 et il y a de ça 10 ans en arrière, je ridais en 134. Troisième point important, le stance. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'une board à une autre, vous n'allez pas avoir le même écartement entre les pieds. Celui-ci n'est pas standard, donc regardez bien au niveau de la board les caractéristiques afin de pouvoir avoir le stance que vous cherchez. Le stance étant l'écartement entre vos pieds sur la board. Quatrième point, les channels. Les channels sont les différents concaves ou rainures qui vont pouvoir vous permettre d'avoir plus d'eau sous la board lorsque vous allez rider et donc vous aurez plus d'accroche sur l'eau. Certaines boards n'ont aucune channel, d'autres boards en ont une, deux, trois, quatre. Comme vous pouvez le constater ici, l'Indy en a une principale au centre puis ensuite des channels sur les côtés. Cinquième conseil, le flex de la board. Sur la Indy, le flex est réparti sur toute la board. Donc vous aurez un flex équivalent au niveau du nose comme au niveau du tail. Si vous prenez par exemple la SOP de chez O'Brien, vous aurez un flex beaucoup plus important sur le nose et le tail et ensuite une bonne barre à mine au centre de la board parce qu'elle sera beaucoup plus épaisse. Certaines personnes préfèrent un flex continu, d'autres personnes préfèrent des flex sur le nose comme sur le tail, ça c'est à vous de choisir en fonction de l'utilisation. Et là, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est tester les bornes. Dernier conseil, le rocker. Tout simplement, le rocker, c'est le shape un peu banané de la board. Donc, ce shape banané, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir pousser plus ou moins d'eau sous la board. Sur l'Indy, le rocker est continu, comme vous pourrez le constater. Si vous prenez la SOP de chez O'Brien une fois de plus, l'aspect du rocker sera beaucoup plus banané. C'est l'un des rockers d'ailleurs sur les boards le plus important. Et enfin, un conseil subsidiaire, le plus important, c'est d'avoir le swag sur l'eau. Donc prenez une board qui envoie du steak et qui est belle comme celle-ci. À bientôt les animaux légendaires. Ah putain, il y a des conneries encore. Il y a des problèmes, ce type.